Yes, salut à tous. Donc je me présente, je m'appelle Clément. Donc c'est la première vidéo, enfin ma deuxième que je fais sur Minecraft et ma deuxième aussi sur YouTube. Ouais, là voilà. Donc ma première, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur la montagne russe en fait. Donc je parle pas, j'ai juste mis de la musique. Bon, vous allez voir, la piste audio elle est carrément pourrie. Donc voilà, c'est juste pour la montagne russe en fait. Donc je vais vous montrer mes projets en fait que je voudrais faire que je vais faire d'ailleurs sur Minecraft et que je ferai des vidéos spéciales pour chacun des projets. Et je vais vous les montrer. Donc en fait le projet principal c'est de faire un parc d'attractions. Voilà, avec tout type d'attractions. Donc ici comme vous pouvez lire il y aura un zoo. Voilà. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire mais je sais que ce sera un grand zoo. Donc ici pour bien savoir que c'est le zoo j'ai fait un petit enclos de poules. Voilà. Donc on va voler, ça ira plus vite. Ah j'arrive pas à chaque fois. Attendez hein. Bon c'est pas grave, on va marcher. Donc ici vous avez l'entrée de la grande montagne russe. Qui est finie, totalement finie. Hein. Et ici la sortie. Donc pour l'instant en attendant j'ai fait des petits bassins, même s'ils ont resté. Et là où il y a de l'herbe, je mettrai des fleurs, des. Bon un truc pour décorer en fait. Allez, on va essayer de voler. Ouais, yes. Nickel. Donc ici on passe sur l'allée. Donc l'allée elle continuera. Bon là je l'ai arrêté mais je continuerai après pour faire des autres attractions. J'ai pas du tout fini, hein, mais je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc ici vous avez un pont en bois. Voilà. Pour traverser le grand lac. Donc pour l'instant on voit tout, c'est affreux, mais je sais, mais c'est pas grave. Vous allez voir quand ça sera fini, ce sera beaucoup mieux. Donc là j'ai déjà mis un peu d'eau. Donc en fait, le but c'est ici l'argile. Ça sera une grande montagne. Très 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 haute. Et tout autour il y aura un lac d'eau. C'est pour ça qu'il y a le pont, pour pouvoir traverser. Et donc ça sera une deuxième montagne russe. Hop, je vous montre, j'ai déjà un peu commencé. Donc là, il y a la file d'attente. Ah, bon, j'ai carrément pas fini. Comme là, par exemple, j'ai pas encore eu le temps de mettre le toit et tout. Parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de tourner la vidéo maintenant. Je me suis dit, non, j'ai pas trop envie d'attendre en fait. Voilà, donc là, on arrive dans la salle où on va prendre le wagon. Donc là-bas, il y a une guirlande qui clignote. Voilà. Donc, je vous explique. Quand vous passez sur les plaques de pression, il va se passer quelque chose. Hop, le wagon il sera déjà. Et là, vous allez voir. On démarre. Les rails se mettent automatiquement. Hop. On monte. Ta 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 ta. Hop, et c'est fini pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Mais vous allez voir déjà le. Je vais vous montrer un peu le boulot qu'il y a pour faire déjà tout ça. Parce qu'en fait, c'est presque que des circuits que j'ai fait pour pouvoir faire ça. Donc, quand on passe sur les plaques de pression, quand on marche, je sais pas si vous vous rappelez. Donc, ça démarre ici, sur le fil là. Donc, le courant il passe, ça c'est les retardataires. Les retardateurs, pardon. Oula. Bon ouais bon je vais pas vous expliquer, c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai dans une autre vidéo que je ferai spécialement pour des circuits je pense. Je pense que j'en ferai, ouais je ferai. Donc en fait ce qui se passe c'est quand on passe sur les plaques de pression, regardez bien, les rails ils vont s'allumer, hop, le wagon est poussé par le piston, hop il démarre et il se remet. Là-bas, ah ouais on n'a pas eu le temps de voir, on va réactiver les plaques de pression. Donc pour les rails qui se mettent tout seuls, en fait c'est super simple. Hop, ils se mettent. On attend un petit peu. Et ils s'enlèvent pas. Non, on se déconne. On va recommencer, il y a eu un bug, je pense. Désolé, hein. Je suis pas encore trop habitué. Oh, c'est pas possible ça. Donc on passe dessus. Donc les rails, normalement, ils n'y étaient pas. Hop, faut attendre. Un petit peu. Voilà, donc là ils se font pousser par les pistons. Et hop, après. Ah oui, non, c'est pour ça que ça marche pas. Donc le wagon il passe. Et quand il passe sur les trois boutons là, il va activer ça. Hop.
les pistons vont pousser les rails dans leur encoche d'avant, en fait. Voilà. Ouais, je m'étais trompée, désolée. Ouais, donc là, il y aura un toit et tout. Hop, la guirlande, je sais pas comment j'ai fait, en fait. Donc, c'était des circuits programmés. Et j'ai... En gros, j'ai presque débranché les circuits et ça clignote. Bah, je trouve que c'est mieux, en fait. De toute façon, je trouverai comment j'ai fait et je vous mettrai dans la vidéo que je vous ai dit que je vais faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet que je suis en train d'avancer le plus. Le zoo, ça sera plutôt après, je pense. Voilà. Donc c'est super long, je trouve, à faire. Déjà, la montagne russe, j'ai bien mis longtemps. Donc je vous invite à aller la regarder. Ça me ferait super plaisir. Hop, je vous montre un peu. Parce que c'est vrai que quand on est dedans, c'est pas pareil que quand on la visite comme ça aussi. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus, hein. Hop, là, il y avait Minecraft n'avait pas encore bien chargé. Je voudrais pas que vous voyiez l'intérieur. Donc voilà, par exemple, ici, vous avez un moulin. Hop. Une tour, là, où on monte avec les rails. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Et vous verrez, il y a plein d'autres surprises dans la montagne russe. Et voilà. Bon bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Allez, salut, à la prochaine.